Je savais que j'aurais pas dû aller voir ce show-là. Je voulais pas être tentée. Je voulais pas retourner dans ce monde-là. Puis je me suis dit, sais-tu quoi? Sais-tu quoi? Pourquoi je résiste? Hein? Pourquoi je résiste? Pourquoi je pars pas, là, comme ça? Pourquoi j'y vais pas? Ben, je pars demain matin! Demain matin. Pas un peu rusher, ça, non? Mais il est comme ça, Juan. Tout se peut, puis contrairement à toi, il est tout le temps de bonne humeur. Mais la vérité, là... La vérité, là, c'est que je pars juste pour partir, comprends-tu? C'est ça, la vérité! Puis... C'est que j'ai comme besoin que tu me donnes la permission. C'est fou, hein? Ça n'a pas de sens, comme je suis pathétique. Il n'y a jamais un gars qui a autant regretté d'avoir couché avec moi. C'est quasiment insultant. Parce que ça t'arrive souvent de tromper ton mari? Pas tant. Juste quand je pense que ça en vaut vraiment la peine. Et d'habitude, j'ai le flair pour ça. Me semble que tout le monde devrait faire le maximum pour trouver le coupable. C'est pas parce que c'est une prostituée que c'est moins important. Ça vient d'où, ça, là? J'ai l'impression que dans ta tête, c'est déjà réglé. Le coupable, c'est fauché. Puis de toute façon, pour une pute, là, se faire étrangler, ça fait partie des risques du métier. Oh, cool. On n'est pas ici pour trouver l'âme sœur ou pour faire du compost. On est ici pour sauver des vies, que ce soit un gars, une fille ou même des sandwichs, là. Va falloir que tu sois capable de nager, sinon tu vas perdre ta job. Pas encore. Non, je vais t'aider à apprendre à nager. T'as déjà une bonne base? Tu flattes! Puis quand cette prescription-là était finie, bien, je suis allée dans une clinique sans rendez-vous pour en avoir une autre. Parce que j'étais trop gênée de retourner voir mon médecin. Puis depuis, ben, je me promène d'un médecin à l'autre, au besoin. Je sais pas ce que tu t'imagines. Mais ma carrière internationale de chorégraphe, ça veut plus dire grand-chose. Puis là, il faut qu'il se passe de quoi, parce que ça marche plus. J'ai tous les mandats qu'il faut. Puis votre manque de collaboration commence à ressembler à de la complicité. Voire à de l'entrave à la justice. Vous aimez ça, les mandats? Mais si vous me forcez à revenir, ça va être avec un beau mandat d'arrestation. C'est ta technique de séduction, ça, évaluer le poids des femmes. Non, c'est pas ton poids qui m'intéresse, c'est ton taux d'alcoolémie. Je peux pas te laisser conduire. Fait que... j'ai pas le choix. Faut que je reste couchée à Valmont. Ça serait mieux. As-tu quelque chose à me proposer? C'est peut-être pas un camion de vidange. C'est peut-être un camion de livraison. Je cherche encore du côté des fournisseurs puis du service de buanderie. Elle aurait pu être cachée dans du linge sale. Ou rouler dans un tapis, ce qui expliquerait les fibres sur ses vêtements. OK. L'ADN de Reginald Lacombe, ça fit comment notre histoire? Une correspondance partielle, c'est pas concluant. Pour le moment, je me fie à mon instinct. Puis mon instinct me dit qu'elle n'est pas sortie vivante de cet hôtel-là.